suis David Legendre, je suis le Chief Data Officer pour la BU France B2C chez Engie. La BU France B2C chez Engie, c'est celle qui fournit de l'électricité, du gaz et des services aux particuliers français. Ça concerne aujourd'hui environ 10 millions de foyers français. Au sein de la direction grand public d'Engie, j'ai en charge toutes les activités autour de la data, dans laquelle on retrouve des activités de reporting, de data management, qui est de la modélisation et de la mise en qualité de données. Également les activités autour des campagnes marketing, avec la manière dont on cible les campagnes et dont on orchestre les campagnes marketing. Et enfin, toutes les activités autour de la connaissance client et de la data science. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a lancé l'IA Data Garage. On était capable de réaliser beaucoup de choses d'un point de vue data. On le faisait en mode laboratoire et généralement on n'arrivait pas à le déployer au quotidien sur une longue durée. On a choisi Artefact pour justement nous accélérer sur ce sujet-là. Donc on s'est attaché justement, après un processus d'idéation, à choisir les problématiques à résoudre qui avaient le plus d'importance d'un point de vue business. Par exemple, ça a été de pouvoir prendre en photo la facture d'un client qui souhaitait souscrire à une offre Engie, pour que ces informations puissent être auto-saisies dans un formulaire et éviter ainsi le risque d'erreur, notamment sur la partie identification du compteur d'énergie qui est source d'erreur à la saisie. Sur ce cas en particulier, les bénéfices apportés sont des bénéfices autour de l'expérience client. C'est de permettre finalement à tous les Français, à tous les consommateurs, de pouvoir bénéficier de cet apport technologique pour pouvoir leur faciliter la vie. Et aujourd'hui, on a franchi l'étape industrielle. Sur l'aspect méthodologique, avec Artefact, on a construit l'IA Data Garage comme la cuisine d'un grand restaurant. On va retrouver la cuisine avec tous les ustensiles qui nous permettent d'avoir nos outils data pour réaliser nos sujets. On va retrouver les recettes. Sur la base d'un système d'idéation, on recense des cas d'usage et on les priorise. Et ensuite, on va retrouver la brigade qui, elle, fait les choses. Et c'est les équipes en feature team, à la fois Artefact et Engie, et toutes les parties prenantes chez Engie, notamment l'IT, le juridique, la data et le digital, qui se retrouvent pour résoudre ces sujets-là. Ça fait de nombreuses années qu'Engie travaille avec Artefact. C'est un partenariat relativement historique. Cette collaboration, elle est productive et efficace puisque on a construit l'IA Data Garage comme des saisons de série. On a terminé la saison 1 qui a été un vrai succès sur quelques cas d'usage dont on a parlé précédemment. Et on se retrouve aujourd'hui dans le cadre de la saison 2 avec beaucoup plus de demandes que de capacités à faire. Donc ça montre un petit peu le succès de cette IA Data Garage. Artefact nous a énormément accompagnés, nous a beaucoup challengés sur des sujets, notamment en nous permettant de les faire émerger. Ça nous a permis de se structurer, d'avoir un cadre, une méthodologie très facile à récupérer et à finalement rediffuser au sein d'Engie ensuite. Le terme qui prévaut quand on pense à Artefact, c'est de nous accélérer sur certains sujets.